passez une bonne soirée. Ça a été pour nous une journée mouvementée. On est quand même content de faire ce Planète Rap avec Colonel Reyel au rapport. Comment va le colonel? Ça va super. Bah justement, je pense que le hasard n'existe pas parce que ce soir, Skyrock est au rapport. Au rapport ce soir, rapport, avec plein de soldats qui sont partout. Grande mobilisation. T'as vu en arrivant en bas de la radio? Ouais, c'est ce que j'ai vu. Il y a une grande mobilisation. Il y a tout plein de soldats qui sont là pour défendre Skyrock. Donc c'est super cool. Et merci, merci à toi d'être là. C'est vrai que ça va être une soirée un petit peu particulière. C'est ton Planète Rap. Il sera forcément un peu chamboulé. T'as vu les messages qui défilent depuis ce matin pour soutenir Sky? Grosso modo, si vous arrivez à l'instant, vous dites, mais que se passe-t-il sur Sky? Toi, d'ailleurs, t'es au courant, tu sais à peu près ce qui se passe? T'as eu le temps de te pencher un peu sur l'affaire? Plus ou moins, j'ai essayé de voir ce qui se passait. J'ai cru comprendre que la radio était menacée. En fait, on a notre président qui est là depuis 25 ans, qui est le président fondateur de Sky, qui a été débarqué hier. Et premier signe déjà envoyé par la nouvelle direction, c'est que l'ensemble de l'équipe d'antenne de Sky l'a appris par une dépêche AFP en disant, grosso modo, voilà, il y avait une nouvelle direction, qu'il fallait peut-être s'attendre à des changements. On parlait déjà, alors ça a été démenti dans la journée, mais on parlait de 50 licenciements sur 200, qu'il y aurait une radio qui devrait être plus rentable que ce qu'elle ne l'est actuellement. C'est pas que Skyrock perd du pognon, Skyrock gagne de l'argent, on est une radio commerciale, faut aussi se parler franchement, mais ils veulent en gagner plus. Voilà, donc il y a une nouvelle direction qui met en place pour optimiser un petit peu tout ça. Personnellement, moi je connais pas la personne qui arrive, on n'a rien contre lui, c'est pas contre une personne directement, c'est plutôt déjà la façon dont ça se fait. C'est clair, ouais, je pense que de toute façon, Skyrock ça reste une radio avec des gens qui travaillent pour cette radio-là, donc il y a l'aspect humain aussi, je pense qu'il faut prendre en compte, et il y a une façon de faire les choses, quoi, je pense aussi. Bon, en tout cas, on est là, on va te parler de ton album qui est dans les vagues depuis lundi aussi, hein, parce que Planète Rap est là aussi pour présenter depuis 15 ans maintenant un artiste pendant une semaine qui vient défendre son album, c'est ton cas, Colonel Reyel. Ce soir, je défends l'album et je défends Skyrock aussi. On va saluer Chris, tiens, Canardo qui arrive juste derrière. Chris, comment va? Bah écoute, ça va, ça aurait pu aller mieux, tu vois. C'est clair que moi aujourd'hui, en tant que producteur de Colonel Reyel, voilà, c'est un concept qui est unique sur la bande FM, en tout cas que moi je connaissais pas avant de connaître Planète Rap sur Skyrock. C'est l'occasion pour des artistes comme lui de venir présenter leur album, et c'est sûr que beaucoup de personnes du public ont fait la connaissance des artistes à travers ce concept, par exemple Planète Rap, et on sait pas si... Peut-être que des concepts comme celui-là sont en danger par rapport à la nouvelle direction, on ne le sait ça, pas. On sait pas. Oui, ça on ne sait pas, c'est qu'on est dans une espèce de grand flou, donc voilà, ça ne veut pas dire que tout est menacé, que Skyrock va s'arrêter, que Skyrock va fermer. Mais en tout cas, comme Colonel disait tout à l'heure, il y a un aspect humain et je dirais même presque d'utilité publique, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui écoutent cette radio, qui fait partie de leur quotidien, qui fait partie sûrement de leurs références, qui fait partie d'une culture aussi, la culture hip-hop. Il y a des gens qui suivent cette radio, et sacrifier tout cet aspect culturel devant des intérêts financiers, voilà, c'est un sacrifice que nous, en tant que public et en tant qu'acteurs de la musique, on ne peut pas accepter comme ça. Merci d'être là en tout cas. Donc on soutient à fond. Merci à vous.